coup. On les back. Alors du coup, j'ai été voir un petit peu la rediff là de la précédente partie. Parce que ça m'étonnait quand même cette histoire de crochet. Et en fait, il s'avère, alors j'imagine qu'à ce stade, voilà, je serais évidemment fait insulter sans doute dans les commentaires. Ou pas loin. En fait, il garde le crochet dans la main, quoi. Je trouvais ça tellement bizarre. Il garde le crochet dans la main quand il descend la tyrolienne pour la première fois. Du coup, ce qui explique. Du coup, je pense que... Est-ce qu'il a toujours dans son inventaire, tiens? Alors, non, on ne l'a pas. On ne le voit pas. Mais il l'a sur lui. Du coup, j'imagine que même s'il y a d'autres tyroliennes, en réalité, il a le crochet sur lui, quoi. Enfin, il a l'attache, quoi. L'attache crochet. Bon, c'est parti. Alors, ça devrait ouvrir la porte. Sésame. Oh! Ah, j'ai pas vu que ça allumait les bras zéro en hauteur. Très bien. Vous savez quoi, j'ai bien envie de revenir dans la cour. On va refaire comme tout à l'heure, comme la partie précédente, on est resté plus de 20 minutes. 25 minutes à chercher un joyau qu'on n'a pas trouvé. Est-ce que vous voulez qu'on vienne dans la cour pour chercher le joyau qu'on n'a pas découvert? Franchement, moi, ça m'énerve de ne pas l'avoir trouvé. Hein. Enfin, c'est un joyau, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais il y a un truc, quoi. Bon, allez, j'y vais. Je suis désolé, hein. Je sais bien que c'est pas très intéressant, mais... Bon, le problème, c'est qu'en plus, il y a la madame. Il y a la lady. Qui peut être n'importe où. Bon, voyons. On va essayer de bien scruter, bien regarder partout. Parce que je peux pas aller là où il y a les plantes. On voit que dalle. Bizarre ce truc. On va trouver les gars, on va trouver. Ici je vais là, c'est... Ouais non mais non. Non. Je suis vraiment bigleux, hein. Mais vraiment. Oh putain, c'est un vase. Ah. Ah non, putain, enfin si, mais... Il est toujours rouge. Ok, bon, il y avait un vase. Il y a autre chose. Du coup, ça peut être un autre vase. Hein. Je pensais que j'avais tout fait. La nuit, tant pis. Hein. Ça peut pas être hyper haut, je pense, hein, en plus. Ça rend fou, hein. Yeah.
Oh, tant pis, les gars, je vais pas vous infliger ça plus longtemps. Je vais pas vous infliger ça. Bon, mais je ne vois pas malheureusement. Écoutez, vous me direz en commentaire, comme pour la précédente vidéo, où on n'a pas trouvé le truc. Ben là, c'est pareil, je ne trouve pas. Aïe, 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 aïe. S'il faut, c'est juste un vase, hein. Mais pareil, quand j'ai fait tous les coins là, donc. Je ne sais pas. Ah ok, c'est là où il y avait le truc. Bon, je laisse tomber. Allez. Elle m'a vu? Non. Peut-être que si. Ah, c'est bon, elle est montée. Là, elle m'a vu, mais c'est pas grave. Je passe par là. J'attendais qu'elle puisse venir. Hein. Vu cette IA à la con. Petit joyau en hauteur peut-être là. Ah mais attendez, il y a un truc en plus. Ah oui mais ça peut être devant. Ok, ça va être devant, ça va être là. Voilà. Bon. Il faut que j'arrête de vouloir faire le 100% de ce jeu, c'est totalement inutile. C'est bleu. C'est beau. C'est beau, mais c'est loin. Je peux pas aller sur les côtés. Vraiment. D'accord. C'est un couloir. D'accord. Ça me fait penser à l'histoire de la carte au trésor, hein. Loul. On l'a toujours pas fait, hein. L'histoire de la carte au trésor qu'on avait chopée, là. Le trésor... Tu as tout gâché. Ça c'est du Resident Evil pur jus. Oui. Tu te décides enfin à nous récompenser. Non, non, allez, je vous remercie. C'est fini pour toi. Et je ne sais pas ce qui vient de se passer, j'ai transpercé le sol. Attends, ok. Oh, c'est beau le décor. What? Tu as de la chance, c'est ça.
d'accord. Bah, je préférais sous ton ancienne forme, en fait. T'avais un petit peu plus de charisme. À mon avis, c'est par derrière. Je sens que c'est par derrière. Le point faible, un truc du genre. Ah merde. Tu as assassiné les miens. Sniper. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Et je fais comment pour me débat? On fait comment les gars là? Couteau? Non. Ouais, c'est ça, c'est là-haut, évidemment. Avec le visage à mort, moins de l'œil. Ah oui. Ah d'accord. Ah merde. Putain les stuns. Faut y aller là. Mais ouais d'accord. Ok ça y est. On a pigé. D'accord. Sniper quand elle est dans les airs. Rose est notre seul espoir. Hors de question de la céder à quelqu'un comme toi. Ok. À coup de popon là. Ah mais non, pas de ce côté. Si, allez. Envolé, il t'a envolé, je crois. Pas du tout. Oh putain. Me baigner dans tes entrailles. Alors attention, faut voir où est-ce qu'elle va là. Par là. Avance! Je vais te tuer! Je la touche là? Tiens, à chaque fois. Non, je pense qu'il faut l'avoir de devant. Hein. Non.
Ne sois pas timide. Montre-moi que tu as peur. T'arrête quand? Oh! Je vais te dévorer jusqu'au dernier morceau. Le peupon, si je peux, en fuyant. Tu peux fuir ou pas là? What? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette arène? Annihiler le charisme d'un personnage par Capcom himself. Parle pour toi, ma grande. Bon, c'est un combat de boss. Non, là, le début était pas mal, là, quand il faut shooter au sniper et tout, c'est classique, mais c'est pas mal. Par contre, la deuxième phase où on est en haut, on peut pas bouger, j'ai l'impression. On est complètement. Tu peux faire que deux pas à droite, à gauche et c'est tout. Donc, faut juste te bourrer. D'accord. C'est quand même pas génial. Bref. Je pensais qu'elle aurait une importance beaucoup plus... Enfin, je sais pas. Vu comment Capcom l'ont mise en avant, je pensais qu'elle était un personnage très important. Ça m'étonnerait qu'elle revienne. Étrange. Bon, par contre, du coup, on a utilisé quand même pas mal... Ah non, il me reste autant de munitions. Ah, j'ai dû en choper. Ouais, j'ai dû en looter sur la fin. Oh, bah ça va, en fait. Et surtout, en fait, le sniper qu'on a plus. Ah, si. Oh, ben, ça va. Bon, c'est bon, en fait. Très bien. Une boîte. Oh. Je peux enfin quitter cet endroit. Ils auraient quand même pu un petit peu mieux travailler, je trouve, cette transformation. Je sais pas, c'est vraiment... Une espèce de dragon un petit Rose. Peu mal foutu. Cherchez Rose. Alors oui. On est où? Ah, c'est un tout nouveau. Oh là là, mais c'est grand. Ah non, c'est château. Loul, j'y ai cru. Alors. Ah, c'est pour refermer, oui, parce qu'on est poli, bien sûr. Ethan est quelqu'un de très poli. Du coup, il referme. J'ai fabriqué l'objet qu'on m'avait demandé. Passe par la grotte et traverse les ruines jusqu'au village. En arrivant, tu devrais voir une maison avec une cheminée rouge. Apporte-le là-bas. Qui parle. On peut sauvegarder, mais on s'en fout. Ça peut attendre. Il y a les checkpoints. On n'a toujours pas la manivelle, hein. Bocal étrange. J'ai quand même inspecté ce bocal étrange là. Il faut un objet. Ah, faut un objet. Ah, mais la clé alors. La clé alors. Eve numéro 3.
Est-ce que je peux combiner? Non, je peux pas. Je peux pas combiner une clé avec ça, de toute façon. Voyons, celle-là. Il faut un objet. Oui, non, d'accord, ok. Non, on peut pas, laisse tomber. Allez, perte de temps. C'est bon. Bon, allons visiter. Je viens de là? Non, je viens pas de là. Il y a un passage là, un passage là-bas. C'est fermé cet endroit? C'est fermé. Alors, si on avait un coupe-boulon qu'on a eu au début, on pourrait faire quelque chose, mais vu qu'il a disparu de notre inventaire comme par magie, eh bien, on ne l'a pas. Là, par contre, ça sent... Est-ce que ce serait ça? Est-ce que c'est ça pour faire tomber? Mais non, il faut une manivelle. Quoique... Qu'est-ce qu'on fait? On tente? Bon, allez, je tente. Voilà. J'aurais mieux fait de pas tenter. J'ai raté quelque chose quelque part, mais d'accord. Bon, j'ai raté un truc important là-dedans. Alors, on reprend. Mais non, c'est bleu. Non, c'est là-dedans que j'ai raté un truc. Peut-être qu'en fait, le puits... Non. Interagir, c'est quand même pas une clé. C'est pas le bocal, quand même. Il faut une manivelle, ici. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut aller où? C'est quoi cette farce encore? Je suis désolé. Hein, je... Passe par la grotte et traverse les ruines. Voilà. Alors, est-ce que... Il n'est pas faut juste que je tire dessus. En même temps, il y avait un petit ruban jaune. Enfin, c'était pas vraiment jaune, mais bon. Qui indiquait qu'on pouvait faire quelque chose, mais bon. Se faire les poissons. Oui, très bien. C'est un beau poissonnet. Ça, c'est le genre de grotte où il y a forcément des bijoux. Hein. Des pierres précieuses. Forcément des pierres précieuses, là, les gars. Obligé. Unis ensemble dans la prière, nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies... C'est la sorcière, ça, encore ? ...nous guider vers votre destin. Quand la lune de minuit s'élève, portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice... Et attendons la lumière salvatrice. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, gloire à Mère Miranda. Hé, hey, vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée?
Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi ces conneries du Moyen-Âge? C'est qu'un bébé? Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, revenez! Une énigme avec le sigle d'Umbrella au milieu. Nous avons donc le fer à gros cheval, une gorgone, Médusa, l'emblème qu'on a déjà vu, le blason et le soleil et la lune. Reste à savoir ce qu'il faut faire avec ça. La clé ailée. Parce qu'elle a des ailes. Des ailes. Ah ben c'est bleu. Du coup, il n'y a rien à looter. Au revoir. Ah c'est pour ici la clé, elle est. Ah oui, c'est pour là. On voit. Il y a un rond avec des ailes. Donc c'est la clé ailée. La clé ailée. Heureusement qu'on a pu recoller notre main avec la Super Glue 3. Waouh. Oh, c'est beau. Le retour de Skyrim. Skyrim 2. Je veux aller sur la cime, là-bas. Si je peux pas aller là-bas, j'insulte le jeu. Ça me paraît honnête comme proposition. J'espère qu'on pourra améliorer le zoom, parce que vraiment, j'ai jamais vu un zoom aussi misérable dans un sniper. Ça ne sert à rien. Ah. Il va peut-être se passer quelque chose. Ça semble familier. Oh, c'est pas vrai. D'accord, donc là... Il y a 4 énigmes, c'est ça, hein. 4 énigmes, et il va se passer quelque chose. À votre avis, ça va s'enfoncer ou ça va se lever? C'est ça la question. Ça s'enfonce dans le sol ou ça va se lever comme une tour? Je pense que ça va se lever, mais qu'on va s'enfoncer dans le sol. C'est stylé en tout cas. C'est stylé. Parfait, 3 missions pour le sniper. Wolf. C'est parfait. Je cherche, il y a des petits secrets, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a très très peu de secrets hein, sur les murs et tout, les joyaux et compagnie, parce que vraiment, je regarde bien depuis le début et je vois rien. Enfin, c'est très très rare, quoi. Vraiment, il y en a très peu. Hein. Il y avait plus de médaillons dans les R4, quoi. Là, il n'y a pas grand chose, hein. À se mettre sous la dent, les gars.
même ces histoires de chèvres là qu'on doit trouver dans le décor, j'ai trouvé une chèvre. J'ai envie de dire, où sont les chèvres, les gars? Où sont les chèvres? Hein? Où sont les chèvres? C'est un ennemi? Ah oui. Oh, d'accord. Il me serait tombé sur la gueule, dis donc. Attends un petit peu, toi. Merde. Bah, je suis protégé. Oh. Ah pardon. Ah d'accord, en un coup je suis à moitié mort. Parfait. Voilà. Attends, je suis protégé, mais... J'étais dans le rouge en un coup, qu'est-ce que ça veut dire ça les gars? À toi par contre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va monter. Il faudrait qu'on trouve un truc pour que la visée arrête de bouger, parce que là, le truc à la bougeotte, c'est une catastrophe. Abusé, j'étais à bout portant avec le sniper, j'ai réussi à tirer à côté, quoi. Ah oh là là, j'aurais dû viser, mais j'étais persuadé que je l'aurais. J'étais persuadé qu'on était bon, là, c'était sûr pour moi. Ça se passe pour cet endroit. Un petit bunker. C'est pas mal, là, bonne ambiance, là. Encore la manivelle. Ah oui, non, faut la manivelle encore. C'est encore cette histoire de manivelle. Hein, que nous n'avons pas, les gars. Bon, il y a mur invisible, on ne peut pas tomber, bien sûr. Ah, je fais l'effort de toujours bien regarder partout, mais je ne vois pas de pierres précieuses. Hein. Ça a l'air très 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 rare. Ok. Un coup de pompe, c'est pas suffisant. Hein. Après, j'ai pas forcément très bien visé, mais ils sont coriaces. Un coup de pompe et les finir. Et les finir au flingue, ça me paraît pas mal, ça, comme méthode. Chose quand même. On ne voit pas grand chose, les gars. Qu'est-ce que c'est? C'est verrouillé. Il faut quoi? La clé ailée? Non. Je l'ai pas du coup la bonne clé. La clé en fer? Non. La clé Dimitrescu? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux le bocal peut-être? Il veut pas le bocal. Bon, il y a un truc à ouvrir ici, mais
Je ne peux pas pour l'instant. C'est ouvert ici. Je peux l'ouvrir. Mais je vais repartir en arrière parce que j'ai pas tout vu. Si je peux évidemment. Je peux. C'est là où on était au début. D'accord, bon, on peut dire qu'on a tout fait alors. Oh les gars, c'est encore le même bonhomme. Je crois que c'est encore le vieux. C'est le vieux, c'est le père de Elena et c'est les deux qu'on a vus. C'est... Je crois que c'est encore le même. C'est pas très grave, tu me diras, mais c'est juste dommage. Putain, cet environnement est vachement classe, dis donc. Vachement classe! Ah ouais. Très sympa. Il y a un hôtel. Vous voilà. Je me doutais que vous passeriez par ici. Ça servit à rien. Vraiment? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites? Regardez de plus près. Ce bocal semble contenir sa tête. Non. Non. C'est... Rose et... Putain, fermez-la ! C'est ce qui s'appelle avoir la tête au carré. C'est possible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant! Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison, après tout. Le marchand semble être le perso le plus important du jeu en réalité. Hein. Comment il sait tout ça, lui? Putain de guignol. C'est peut-être le boss final. Ce qui serait bien, c'est que ce soit le boss de fin, tiens. Ça, ce serait pas mal. Est-ce que t'es le boss de fin? Ah, vous tombez bien, de boss de je fin, commençais toi. Justement à m'ennuyer. Ça, ce serait pas mal comme cliffhanger final. What? 25 000? Ah bah très très bien ça. Mais par contre, est-ce que on peut le... Attendez. La bague, c'est écrit... Ah non, combine... Ok. Donc les objets qu'on peut combiner, où il faut incruster des conneries, c'est indiqué. Donc ça, je peux lui vendre direct. Très bien. Oh, dame Dimitrescu. Belle même dans la mort. Ce bon. Tour de taille, oui. Alors voyons. J'ai du nouveau l'atelier. En stock. Ah, ça y est, voilà. Il y a nouveau, il y a des nouveaux rectangles, les gars, ça y est. Bon, mais ce qu'on va faire... Pas le peupon, hein, écoutez. 720. Capacité, on passe de 7 à 9. Mais 7, c'est déjà énorme, quoi, en réalité. Franchement, 7, c'est déjà énorme, quoi. Donc... Peut-être la puissance, ouais, pour 10 000. On va faire la puissance du peupon. Allez, avec hop. Plaisir. Ouais. Le flingue, 140, 150, ça sert à rien. Le snipe, on peut pas augmenter la puissance encore. Ah non, du coup, il n'y a rien de très intéressant.
Un petit tour au bazar. Ah merde ! Oh là là, j'avais pas vu qu'il y avait une mallette. Ah ouais, je suis con, j'aurais dû venir ici en premier. C'est pas grave. Prochaine fois, il faudra prendre la mallette à 30 000. Bon tuyau. Un remède pour 2000, on va le prendre. Ah oui, c'est normal. Il n'avait qu'un seul, d'accord. Par cela. En fait, il en vend un seul à chaque fois, donc il faut le prendre, quoi, ça vaut le coup. Voilà, bon tuyau, c'est pareil, il en vend une, mais il n'y en a que une. Donc je pense que ça vaut le coup de la prendre. Ouais. J'essaie de comprendre quelque chose. Parce que ça met 17 et 10. La 2. C'est-à-dire que j'en ai 2 sur moi. C'est ça. J'en ai 17 en tout, lui il en a 10. Là j'en ai une, lui il en a... Mais est-ce que j'en ai vraiment une bombe sur moi? À la prochaine fois. Ah oui, ouais, bah du coup ça vaut le coup d'en prendre une. Puis-je choisir quelque chose pour vous? Oui, oui, excuse-moi. Donc, je vais en prendre une seconde, une bombe tuyau, c'est pas mal, ça. Voilà. Une mine, 3000, je pourrais en prendre une. C'est quoi, ça? Ah, lunettes grossissantes. Ah, mais ça, par contre, c'est important. On va prendre ça, je pense. Attendez, en fait, il y a plein de trucs sympas. Il y a plein de trucs pas mal. Est-ce que j'attends pour la grosse valise? Ou est-ce que je prends la lunette grossissante? Ça va être intéressant. Et ça, c'est quoi? Ah ben voilà. Réduit les tremblements lors de la visée. C'est presque mieux que ça. J'hésite, là. J'hésite. Lunettes grossissantes ou... C'est presque mieux ça en fait. Je pense qu'on va attendre les gars. Ouais. Avoir faim. On va attendre. C'est être en vie. Prendre la capacité, on va le mettre à 9. Allez. Avec plaisir. Allez, je suis désolé, à chaque fois je mets 150 000 ans pour me décider. Vous me connaissez à force. Hein. Ah mais je suis con, à droite on voit combien il y aura de carrés. Voilà, il y a 4 rectangles en tout sans doute. Mais là pour l'instant c'est bloqué. Bien. Alors, oui, merci. Revenez quand vous voulez. Pour l'instant j'ai largement assez de place, il n'y a pas de problème. Alors, désolé, j'ai pris trop de temps. On peut pas te dépouiller par contre. Bon, c'est quoi ça? C'est encore une énigme? Ça ressemble à ce qu'il y avait là-bas. Interagir. Ah ben d'accord. Ah, faut mettre 4 bocaux là-dedans alors. Un flashback. C'était Mère Miranda, je pense. D'accord. Faut en trouver 4. Ok. Une espèce de second village, du coup. Bon, allons par là. Je vais pas sauvegarder. On va sauvegarder quand même. Putain, il est où? Il est où, ce con? Allez, je prends trop mon temps, là. Je sens que vous allez vous endormir. Mais bon, je suis désolé, une fois de plus, c'est ma façon de jouer. C'est ma façon de jouer. You, you, you. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. Il y a une sorte de fœtus entouré de 4 ailes. Oui, mais alors la clé, elle est, s'il te plaît, alors. Non. Ça ne rentre pas. Comment ça? Ah non, c'est une autre clé. Attends. Comment ça? Bon. On va dire qu'on n'a pas la clé. Allons par là.
Ah, là on peut par contre. L'interaction, s'il vous plaît, les gars. Allez. Par contre, ce qui est ouf, c'est que je ne crafte rien. Je crafte très 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 peu. Je pourrais crafter des mines, tiens, je vais en faire deux. Deux mines. Cartouche de fusil. On va en faire. Voilà, ça va mieux comme ça. Allez! Ah, je suis con, peut-être que le couteau peut les péter. Sans doute. Ah non, reviens où j'étais. D'accord, putain, j'avais pas reconnu, dis donc. J'avais pas reconnu, hein. D'accord, ok. On est passé là, on revient ici. Bon. Ah, du coup, ce qui est cool, c'est que je peux ouvrir ce qu'il y avait avec les crochets. Encore faut-il se souvenir. Voilà, ici par exemple. C'est-à-dire, je passe par là. Ouais. Bah, écoutez, c'est parti pour la foire fouille là. Hein. J'ai l'impression qu'on va devoir fouiller tout le bordel. On n'est pas obligé sans doute, mais. Et vous me connaissez. C'est parti pour la foire fouille. Du coup, ils ne vendaient pas de crochets, j'ai l'impression. Hein. Je l'ai pas vu vendre de crochets. Hein. Mais voilà. Allez hop. La foire fouille. On aura peut-être quelques combats si on a de la chance. Décrit dans la maison d'en face, celle avec la cheminée. Qui aurait cru que ce trou béant dans le mur de l'étable me servira un jour. Ah, ça c'est intéressant. Bon, je rappelle qu'on doit aller là où il y a la maison rouge ou la cheminée rouge, hein, je sais plus ce qu'il a dit. Ça m'a fait peur. Hein. Un animal en bois. Eh bien, merci. J'aime bien les animaux en bois. Par contre, attention quand même. On a quelques licans qui vont nous sauter à la gorge, je le sens. Je le sens, les gars, je le sens. Si on n'a pas un loup-garou dans les chiottes avant la fin, on aura du bol. Hein. Oh oui, on aura du bol. Oh oui. Alors, du lait, il y a des vaches. Pas vu de vaches. Ah, donc voilà, quand on tire bien à la tête, voilà, quand on vise bien à la tête, ça les one-shot. Ou alors, il était moins fort. Oh, c'est encore le même, attendez. Putain, je crois que c'est encore le même, quoi. Pas sûr, cela dit, peut-être pas. Au revoir, désolé, je vous laisse tranquille, monsieur. Voilà. Prenez votre temps, hein. Je ne suis pas pressé. Bon, donc il peut y avoir des loups-garous. Tant mieux. Si, si, c'est encore le même. C'est le même, je suis sûr. Non, mais c'est le même, hein. C'est le même. C'est encore le même, c'est bien lui. D'accord. Un jeu de l'ampleur de Resident Evil 8 en 2021. Te duplique les personnages comme ça sans vergogne. D'accord. Parfait. Un moyen de faire fonctionner ça. Alors, oui. Mais, qu'est-ce qu'il a... Comment ça, un moyen de faire fonctionner ça? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une attache. Alors là, on trouvait quelque chose, mais alors, pas savoir quoi. Moi, je me rappelle où c'est. Hein.
Nous avons un réservoir là-bas. Ah, du coup. Ah ouais, je suis con. Évidemment que ça fonctionne. Oui. Qu'est-ce que je vois? Regarde par la fenêtre. Je ne comprends pas ce que je vois. On dirait un mec. Un bonhomme cybernétique. Alors, regarde par la fenêtre. On va regarder. Hein. Il a plusieurs fenêtres. Alors, on va regarder par la fenêtre. Oui. Ah! Oh putain, il m'a fait peur! Énorme! Énorme, comment il m'a fait peur! Oh, je m'attendais tellement pas! Ouais, ça, vous voyez, c'est pas mal! C'est pas mal parce que, bon, c'est un jumpscare, mais je trouve que c'est un bon jumpscare, tu vois? C'est pas genre t'es dans le noir, tu sais qu'il y a un jumpscare qui va arriver, et il arrive! Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est nul! Mais ça, c'est pas mal! C'est pas mal parce que voilà, t'es là, tu te dis, ah, alors 07, 04, et là il arrive. Voilà, ça c'est. Voilà, ça j'accepte. Ça c'est bien, voilà. Alors, 07, 04, 08. Il y a un truc à côté du 08. Mais il reste à savoir à quoi ça sert. 07, 04, 08. Bon, c'est un code. Ben voilà, loul. Alors, 07, 04 et 08. Et ben voilà! Comment j'ai trucidé l'énigme? Un nouveau flingue. Ah, ce qui veut dire qu'en fait, l'augmentation qu'on a fait sur l'autre, finalement, ça servait à rien. Quoi. Ah, la manivelle, enfin. Très bien, ça. Attends, c'est vraiment un nouveau flingue? Un pistolet entièrement automatique. Ouais, mais du coup, t'es en train de me dire que celui-là, on l'a augmenté pour rien? Enfin, pour rien. Pour pas grand-chose, quoi. Bon, ben d'accord. Regarde un petit peu la gueule qu'il a. C'est ça, je l'ai, là. Semi-automatique. Ouais. On verra ça plus tard. Je préfère reprendre celui que j'ai pour l'instant. D'accord. Je pense qu'on a chopé tout ce qu'on pouvait choper là-dedans, du coup. Ouais. Oh putain, là-bas. Oh putain, ils sont deux. Ah, ça va pas réveiller. Bien joué. Plutôt bien joué là. Plutôt bien joué. Oui, donc les dégâts sont bien localisés, en tout cas sur eux, puisque l'autre là-haut je l'ai tué en un coup. Par contre, c'est abusé, ça veut dire qu'on peut pas les looter quoi. Mais ouais, mais du coup, c'est quand même scandaleux ça. Enfin, je sais pas. Genre, si tu es sur les toits, tu peux pas looter ce qu'ils ont à looter. Ah bon. Ben, comment dire, on va, du coup, on utilisera plus sniper alors. Qu'est-ce que vous vous dites, moi, les gars? C'est dur, oui, c'est dur. Alors, ah, peut-être qu'il fallait manivelle, du coup. C'est la manivelle que tu voulais? Ah, d'accord. Ah oui, c'est muscleur, du coup. D'accord. Ce qui me permet de quoi? De passer en dessous? De passer en dessous. C'est rien, les gars, c'est un script. Allons-y. Merci. T'étais là? Eh non, il n'y avait personne.
On va aller voir par là, tiens. C'est pas ça l'histoire de la cheminée rouge là ? Je crois qu'on est bon pour revenir. Hein. Non, c'est ici, oui. Ça va être là qu'il faut aller. C'est bon. Ça manque de secrets, les gars, sur les toits et tout, je sais pas. Ah, mais là, regardez. Voilà, là. Ah, je pense que c'est celui qu'on a tué, vous voyez ? Son loot, il est là. Voilà, clairement. Voilà, ça c'est de la ferraille. Son loot, il est là. Bah alors... Ah, moi je puisse monter, hein. Auquel cas, je me la fermerai à tout jamais. Est-ce qu'on peut monter ? Sinon, c'est encore une énième aberration de ce putain de jeu. Merde, vraiment ? Et ma ferraille, comment je la chope ? Peut-être qu'on peut monter, on va voir. Alors. Peut-être pas quand on sera dedans. Calmons-nous. Le crochet. Ça ressemble un petit peu à la première maison qu'on avait. Oh, pas mal. Cette mission sniper, on prend. Alors attends. Tu me dis quoi ? Il y a une. On peut passer là-bas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un cochon ? C'est le cochon légendaire ! Viande ! Ah ! Vous pouvez les apporter au duc. Le cochon légendaire ! Le marcassin légendaire ! Ah, on va enfin pouvoir utiliser la manivelle sur les différents puits-puits. Les puits-puits. Oui, on sait qu'il faut un objet, mais... Mais quoi, tu me proposes pas d'utiliser ? Attends, comment ça ? Ah merde ! Ah, c'était une manivelle à usage unique qu'on a eu pour le cric du tracteur. Merde ! On a toujours pas du coup la manivelle pour les puits. Et là, je m'insurge. Bon, c'est là que devait être le cochonou, du coup. Mais ça, c'est... Attendez, ça, les gars, on dirait que c'est un truc... Con. Attendez. Oh, putain ! Ah, mais ouais, mais putain, mais dites-le ! Ah, on avait déjà vu ça. Alors, pas souvent, une fois c'est sûr, peut-être deux fois. Du coup, je me dis, c'est bizarre, là je le revois le même truc. D'accord, faut les shooter ces machins-là. Ah, mais les gars. D'accord. Ah, j'ai raté les munitions, les gars. Je crois qu'on va tout recommencer à zéro. Hein. Ah, je plaisante, on peut rigoler quand même. Bon. Alors là, il y a des poules, tiens, on va aller voir les poules. Il y a un poulailler ? Eh mais c'est derrière, on peut pas y aller. Je me retrouve là. Pas monter comme ça sur les maisons, moi ça me rend fou. Ça me rend fou. Je vous jure. Bon, on a déjà visité ici. Bon, déverrouillé, très bien. C'est infernal, on est où là ? Encore le cochon légendaire.
On revient ici. Il y avait l'histoire du caveau. Peut-être que maintenant on a accès au caveau. Pas du tout. Alors, le caveau, je sais pas comment il est censé s'ouvrir. Hein. C'est peut-être complètement annexe. Hein. Et peut-être pas. J'ai pas vu qu'on pouvait lire les pierres tombales. Alors pas toutes, d'accord. Ah mais une seule d'ailleurs. D'accord. Bon. Derrière, il doit y avoir l'autre. Je sais pas trop où ils veulent qu'on aille. Là. Et l'autre, il voulait qu'on aille. C'est indiqué trouver la maison. Voilà, la cheminée rouge. Mais en fait, les cheminées rouges, il y en a partout. Non, là-bas. Mais voilà, c'est ici. C'est ça, la cheminée rouge. Elle est en face. Suis-je con? Alors, elle est là. Voilà, elle est là. Alors, comment on y rentre? C'est verrouillé depuis l'autre côté. Alors attends. Ça veut dire que... c'est bien en face. Hein. C'est en face, c'est celle-là. Là. Donc je peux y aller en passant par là. Oui, donc c'est par là. Alors là... Sauf que là, je suis où? Mais non, je peux pas y aller. Il suffit juste en fait de grimper sur les poubelles et... Ça me rend fou. Ça me rend fou. Je l'ai trouvé la maison, elle est là. Attendez, il parlait. Mais non, en fait, il y a un chemin. Attendez. Il y a un chemin à gauche. Mais... Je peux aller en dessous de ça ? Là, ils disent qu'il y a un chemin en face, mais alors, c'est pas clair. Non, je ne peux pas y aller. Calmez-vous. Ça va bien se passer, hein. Faut pas s'inquiéter. Bien se passer. Après, il y avait un document, là, qui nous disait... Voilà, le trou béant dans le mur de l'étable. C'est ça. Le trou béant dans le mur de l'étable. Alors, encore faut-il trouver l'étable. On voit rien. Est-ce que c'est une étable ici? Le trou béant dans le mur de l'étable. Oui. Je vais m'énerver. Est-ce que... Alors, est-ce que l'étape, ce serait pas indiqué? Maison de Louisa. Alors, Louisa, c'était indiqué. Peut-être c'est là, en fait, qu'on doit aller. Maison de Louisa, c'est possible.
parce que les tables, c'est pas clair. Bon, on va essayer de revenir à la maison de Louisa. Je crois que j'ai tout fait à l'envers une fois de plus. Ouais, voyons. C'est quand même pas clair, il faut le dire. Donc là, j'ai toujours pas la manivelle. Oh. Oh, ça sent le cri, ça. Ça sent le cri, ça. Il s'est mis là. Infiltration du village, affrontement avec plusieurs armes biologiques, découverte de preuves de la présence de EW. RW est introuvable. Oui, donc, Ethan Winters et Rose Winter. Heureusement que j'ai un esprit de déduction peu commun. Et 30 ans de jeux vidéo derrière, sinon. Base établie dans l'église, plan opérationnel. Oui. C'est pas clair. Ça doit être Chris, oui. Il a établi son campement ici. Donc oui, c'est par là. Il faut revenir en fait à la maison de Louisa. Et de là, on va trouver une espèce de passage secret, sans doute. Qui nous permettra... Ah, peut-être là-haut. Attendez, j'ai la clé, non? Ah mais voilà, j'avais pas la clé avant ici. Là, on a la clé. Voilà, on s'est débloqué. Très bien. Voilà. On va s'arrêter là, ça fait 1h07. Je pense qu'on s'est débloqué, en fait. Voilà, je m'entêtais à rester là-bas, alors qu'en fait... Oh! Ah mais voilà. Voilà une petite chèvre. Bon, par contre, j'ai pas utilisé le sniper pour ça. Hein. Voilà. Très bien. Je me sens par contre, si je repasse par là, à mon avis, les licans sont toujours là. Hein. Quoique, quand je suis repassé après, ils étaient plus là, donc peut-être pas en fait. Non, je pense, je crois pas. Non, ce serait illogique. Il y a des gargouilles, hein, c'est pas mal ça. On les voit comme ça, elles se posent. Ouais, mais c'est là-bas qu'il faut aller. Mais bon, vu qu'on a ouvert ça, on verra ça plus tard. Très bien les gars, petite pause. Et quand on revient, direction en face. J'ai l'impression qu'il y a encore des caveaux. Hein. C'est un espèce de nouveau cimetière, un truc du genre. La suite au prochain épisode.